Hello tout le monde. Attends, oh, Summer One Blocks. J'espère que vous Summer One Blocks. Il y en a un qui est content. Il y avait ça dans le calendrier de l'Avent Haribo. Je vous dis bonjour quand même. Bienvenue dans un nouveau vlog. Hein. Et Milan ouvre ses calendriers de l'Avent. Oh. Dans le masterclass là. Et chut. Tu les ranges? Tu prends ton petit déj et tu manges ça après, ok? Ah, c'est dur, hein. C'est le milieu de semaine, Doudou. D'accord? Et puis cet après-midi, il n'y a pas cours, donc ça va. Donc on est mercredi. Les deux commencent à 8h. Isalis finit à midi, Milan à midi et demi. Milan rentre tout seul, je vais chercher Isalis. Et puis écoutez, voilà. Pas grand-chose de neuf depuis hier soir. Oh, moi, il y a ma patate. Attendez, il y a ma patate. Parce que on te voit pas beaucoup. On voit beaucoup le gros tigrou, mais on voit pas beaucoup la petite patate. Attends, arrête de gigoter aussi. Regarde là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu voulais voir? Hop. Donc voilà. De toute façon, je vous reprends dans la journée. Je pense que j'ouvrirai mes calendriers de l'Avent ce midi avec Isalis peut-être. Ou tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire mon sport, ça c'est sûr. Apparemment, d'après ce que me disait Eddy, il y a moyen que j'aille marcher tout à l'heure, donc ça serait plutôt cool parce que j'ai vraiment envie de prendre l'air, sachant que les deux derniers jours il faisait des temps de crotte de bique, donc de toute façon j'aurais pas pu aller marcher. Tu manges des cookies? C'est bon les cookies? En fait c'est les cookies granola extra moelleux, ils sont vachement bien, et tu sais que tu peux mettre quelques secondes au micro-ondes pour qu'ils soient encore plus... T'as pas envie. Ok, bon, allez, je vais vous laisser, il faut que j'aille voir si Isalis a besoin de moi pour ses cheveux. Elle a besoin. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde. Bon écoutez, j'ai fait mon pilates, j'ai fait mon ring fit. Je me suis habillée en conséquence, je vais aller marcher. Mais je sais pas ce que j'ai ce matin. Je suis tellement pas motivée. Oh là là, je suis obligée de me mettre des coups de pied au derrière. Je traîne la patte, clairement. Donc là je vais aller braver le froid. Enfin le froid, tout est relatif. Hein. Les gens qui habitent à la montagne vont me détester. Mais il fait 7 degrés. Mais pour moi c'est... Je pourrais jamais habiter au Québec. Je suis désolée les Québécois, mais alors... Oh, mon Dieu, mais je sais pas comment vous faites. Bref, et j'ai le chien là. Elle est en train de pleurer parce qu'elle pense qu'elle vient avec moi. Mais elle est tellement enquiquinante quand elle marche que j'ai pas envie de la prendre. Je suis une mère indigne. Voilà, une maîtresse indigne, mère indigne, tout ce que vous voulez. Et là, il y en a un qui veut des câlins. Mais est-ce que vous avez remarqué que ce chat est toujours dans les parages? Un mon doudou d'amour. Voilà, donc je vais me motiver. Vous voyez, en plus, je reste papotée pour traîner encore, pour pas y aller. Non, t'auras pas mangé. Pas maintenant. Donc, je vous laisse, je vais marcher. Je vais vous montrer un petit peu où je marche. Et puis voilà, je vais mettre de la musique... qui envoie du steak dans les oreilles pour me motiver, pour donner le rythme. Et puis, bah écoutez, on se retrouve juste après. Il est 10h15 quand même. Et je vais chercher Isalis dans une heure et quart, je pense que je pars de la maison. Voilà, ça me laisse le temps de prendre ma douche, me maquiller, etc. etc. Et cet après-midi, je pense qu'on va aller faire un petit peu de shopping. Il y en a une qui va être contente. J'essaye avec mon téléphone pour la voiture parce que peut-être que ce sera mieux, bien que j'ai l'impression qu'avec le support que j'ai là, ça a l'air de bouger énormément. Donc j'espère que vous n'allez pas vomir, hein, le but n'étant pas celui-là. Donc là, je vais chercher Alice au lycée, sachant que... Ouais, ça bouge beaucoup trop, les gars. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard parce que vraiment, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup trop. Après, je pense que j'en ai un autre support parce que celui-là est beaucoup trop souple, je pense. Et vraiment, vraiment, ça bouge énormément et vous allez vomir. Bon, je vous disais donc que je suis au lycée. Je suis partie chercher Isalis. Franchement, j'ai eu du mal à me bouger les fesses aujourd'hui. Donc, bon, bah écoutez, hein, y a des jours comme ça, hein, comme quoi la motivation, des fois, baisse un petit peu. Je suis contente, j'ai assez bien dormi cette nuit parce que depuis quelques nuits... Bon, de toute façon, en général, quand je fais les vlogmas, quand j'ai beaucoup de travail, la nuit, je me réveille et j'ai du mal à m'endormir. Là, ça a été le cas, mais je me suis rendormie quand même et réveillée à 6h15. Les nuits d'avant, c'était plutôt 5h30 ou des choses comme ça, et j'arrivais pas à me rendormir, donc petite nuit quoi.
Écoutez, sinon, ça va. Il fait froid, mais il fait beau. Donc, c'est ce que je vous disais. J'ai pu comme ça marcher. Et c'est pas plus mal. Et voilà. Bon, ben, rien de plus. Je n'ai pas reçu de colis. Je n'ai rien reçu de spécial. Il faut que je termine les cadeaux de Noël aussi. Il me reste pas grand chose. Hein. J'ai quasiment tout bouclé. Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais voilà. J'ai profité beaucoup du Black Friday. Et voilà. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et comme il y en a un qui est déchaîné, on va être obligé de lui filer son calendrier avant l'autre. En plus, il est gentil. Oui, il a fait des câlins. Alors, 5. On est 5, non ? 6, non ? Non, 6. Ah bah, il a commencé à te bouffer. Il est trop fort, mon petit chat. Oui, ben, attends. Viens, Loulou. Regarde. C'est ça que tu veux ? Tiens. Pas sûr que tu les aimes, ceux-là, mais tiens. Ah, ensuite, tu veux les bonbons d'abord, Haribo? Ouais. Alors, celle-ci du coup. Ouais. Un AOM. Oh, quelle surprise. Ah, t'as pas eu la même couleur que lui. Ah, il est quoi lui? Rose. Oh, l'enculé. Bip. Ouais, on va mettre un bip. Ah, le méchant. Oh, le chenapan. Ah, la racaille. Oh, le t-shirt. Donc, est-ce que ce qu'il disait ce matin, c'était Mawam Blocks, pas blanc. Ah. Elle avait compris Mawam blanc. Ce que je me disais, c'est que c'est pas Mawam blanc, bah. C'est un Twix. Voilà. Bah oui, mais il a spoilé ce et matin. Et demain, hein. Il y aura un grand Twix. Comment tu sais? Parce qu'à chaque fois, ça fait ça. Et le premier jour, c'était un petit sneakers. Après, c'était un grand sneakers ou l'inverse. Mm-hmm. Après, c'était un petit bounty, un grand bounty. Il est plié. Pourquoi voilà. Il se plie? Ouais, il est cassé, sûrement. Allez, ensuite, Maybelline. Ah. Je vais galérer à l'enlever là. Un crayon? Crayon pour les lèvres. Ah, oh, j'ai jamais essayé, ça faut que j'essaye. Hein? Avec le rouge à lèvres rouge. Ouais. Pour Noël. Oui. Regarde sa tête à ton chat. Il est trop mignon. Montre. Je vais montrer à la caméra. La caméra. On est sur le Color Sensational en rouge et c'est de la teinte. Oui, c'est mignon. Red Escape, le 80. Très mignon. Oh, la Queenie. J'arrive, je vais prendre Queenie. Oh, il a trouvé le meilleur jeu du monde. Regarde, regarde, regarde. Un bout de carton. Voilà. Une, tu peux la mettre sur mon lit, hein. Je pense qu'elle va ronquer, mais non. Non, il joue tout seul, hein, il est très bien tout seul. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ton frère? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ton frère? T'as vu comment il était posé le chat? Ah, j'ai encore ouvert du bon côté, ça fait 2 jours d'affilée, c'est bien. Alors, Kiko, maintenant, le 6. Ah, un crayon aussi? Ça, c'est la journée des crayons, quoi. Un crayon pour les lèvres? Les mêmes couleurs. Mais non. Enfin, c'est un peu la même couleur. Bon, c'est un peu plus rouge, peut-être. Oui, peut-être. Un crayon pour les lèvres rouges. Didou. Allez, 2 crayons pour les lèvres rouges. Tu remets dedans. Ah, mais moi, j'en mets tout dedans et après, le dernier jour, j'ouvre tout. T'as les yeux qui pleurent, toutounette. Et après, je les retourne pour voir, enfin, pour dire que j'ai déjà retourné. Ah ouais, pour pas confondre. Bon, bah, je prends les miens, du coup. Doudou. Pardon. Pardon. J'ai une petite tour qui m'attend, là. Ah ouais. Ouais. C'est quoi ce maillot? Ouais, il est vachement bien. Le 6. Tu veux ouvrir? Ouais. Soin nettoyant micro. Ah, je l'ai déjà, mais en grand. Pour c'est Foreo. C'est pour utiliser avec la brosse, tu sais, qui nettoie en même temps. T'es sûr que c'est 6 ou c'est pas 9? C'est un peu le même. Non, mais il y a un point en dessous. Savoir. Ah. Voilà, donc c'est un nettoyant Foreo. Très très bien. Foreo, c'est pas donné en plus. Hein. Le 6 chez Yves Rocher. Franchement, Yves Rocher, je trouve bof. Hein. C'est quoi? Un baume pour les lèvres? Peut-être que ça peut être. Ah non, un rouge à lèvres rouge. Oh, mais j'ai jamais essayé de rouge à lèvres rouge rouge. On va essayer. Regarde, regarde. Regarde les deux. Il a envie de jouer maintenant. C'est rouge rouge. Ah ben, tant qu'à faire. Hein. Non, 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 mais là, c'est pas du longue tenue. Ensuite, le Sephora. Sephora, Sephora. Faut juste mettre du savon là. Faut mettre du savon, biche. Non, mais, hé, Isalis. Encore un jour rouge à lèvres rouge. Enfin, un crayon à lèvres rouges. Ils sont tous passés le main, c'est quoi ce délire, hein? 3 crayons à lèvres rouges aujourd'hui. Un rouge à lèvres rouges. Je sais pas ce qu'ils ont avec les lèvres rouges aujourd'hui. Si dans le Max & More, il y a ça. Alors, le 6 en Max & More, il est où? Ah, c'est un gros. Ça se trouve, ça va être encore vide. Un masque pour les lèvres. Pour hydrater les lèvres. J'aime bien les masques en hydrogène en plus. Ok, et le Glossy Box. Le 6. Oh, il est énorme. Regarde. Tu veux ouvrir? Oui, je veux ouvrir. Vas-y. Je tire. Mais il est plus grand que le... Erase all makeup. Ah. With just water. C'est une lingette démaquillante. Ah, c'est tout. Pardon. La grosse déception. On voit une case énorme, on se dit... Ah, une grosse palette et tout, mais pas du tout. Mais si bon, il n'y a pas de palette. Enfin, si, si, je pense qu'il y aura. Ah, les palettes, par contre, c'est bien. C'est-à-dire que... Hop.
c'est une lingette démaquillante. Elle est trop belle. Elle est jolie, hein. Et elle, regarde, touche. C'est doux. C'est très doux. Donc une lingette démaquillante de la marque Makeup Eraser. 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 Bref. Voilà. Donc c'est bon pour ça. Et il faut le Degusta Box, ma biche. Ah, j'ai oublié. Des petits chips, ça nous arrangerait bien. Oh, ça va, ça va tenir. Parce que maman n'a plus là. Ah, c'est la dèche de la chips, hein. Alors là. Oh, faut vraiment que j'enlève le carton. En fait, je laisse le carton du sapin pour Tigrou. Ah, okay. Parce que ça lui fait un tunnel. Un tunnel. Ah, le roi. Donc, c'est le roi. C'est le roi de la maison, mais en même temps, il est chiantil. À part que quand il grimpe dans le sapin, parce que ce matin, il a grimpé dans le sapin. T'as entendu? Alors. 9, 17, 13, 8, 6. Ah bah voilà. C'est bien camouflé. Ah ouais, ça c'est tordu alors. Ah, des chips. Non, de la bière. Non, c'est de la bière. Oh, ça pue. Du doux. Et oh, m'attaque pas comme ça. M'attaque pas comme ça. De la bière Grimbergen. Bon. Ah, ça pue, ouais. Pousse-toi, Lille. Bon, bah du coup, voilà. Comme hier, c'est pas ouf. Hein? C'est pas fifou de la night, quoi. Bon, on va mettre le couvert, on va se faire des sandwichs, hein, je pense, comme d'hab. Après, si tu préfères des nouilles, je vais peut-être me faire des nouilles, moi. Moi, j'ai la flemme, j'ai pas envie de nouilles. Hein. Trop de nouilles. Tu la nouilles. Bon, allez, on va ramasser les petits cartons, et puis on va manger, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bye bye. Chez Lidl. Ah, tu fais un haul Lidl. Je fais un haul Lidl et Action, parce que nous revenons des courses. Il est 16h35. Nous revenons des courses et du coup je vais vous montrer ce qu'on a acheté et on va ranger au fur et à mesure. Hein, voilà. J'ai pris des côtes de porc, tout le monde s'en fiche? Oui, voilà, ça c'est pour dimanche. Un sachet de salade composée. J'ai pris des légumes vapeur parce que je veux reprendre un petit peu, pas Weight Watcher, mais enfin essayer de faire attention. J'ai pris du beurre doux et du beurre salé, il est ouf, juste là, parce que j'avais envie de faire des cookies, mais je sais pas quand. On verra bien. Pour? C'est pour Julio, c'est pour son anniversaire, Julio. Ensuite, j'ai pris des perles de lait à la vanille. Je pense pas que Julio regarde les vlogs. Non, je pense pas non plus, il est pas que ça. Ah, pardon, mais. Voilà, c'est mon tellement. Doigt, il colle. Regarde, mon doigt il colle. Non, je sais pas, j'ai pas senti. Si. Des petits pots au chocolat, des mousses au chocolat, enfin des mousses à la vanille avec des éclats de chocolat noir et une bûche de chèvre pour faire des toasts de chèvre au miel. Donc, on ramasse ça, ma biche, et puis après on monte parce qu'on a acheté, on a été chez Action. Franchement, ah si, j'ai pris aussi, je dis des conneries, mais j'ai acheté ça et du coca. Voilà. On n'a pas trouvé grand chose chez Action. Hein? 5 trucs. On a trouvé jusque là, on a trouvé un parfum qui est censé ressembler à Alien, mais qui ne ressemble pas du tout à Alien. Un parfum qui ne sent pas ce qu'il devrait sentir, ce qu'on vous a dit. On vous a menti. Franchement, TikTok, des fois, il nous ment. Ouh là là! C'est pas beau de mentir. C'est pas beau de mentir. Pas mentir. Ah non, c'est pas bien. Parce qu'on nous a dit qu'il ressemblait à Alien, et franchement, en plus, il tient que dalle. Hein? Mon dieu. Non, en fait, quand tu sous-pèses, regarde Zélis, quand tu sous-pèses les mousses, ça pèse rien en fait, on nous de l'air. Ouais, c'est vrai. Viens, on me fait un bisou. Mon petit chat. Oh, le plan est incroyable. Attends, faut ouvrir la Suzette. Sweetie. Tu veux ouvrir? Baston. Bagarre. Allez, va, ma nénette. Zou. Top. Tout simple derrière. C'est une étiquette de mon body, ça me gratte. Bah, moi, tout à l'heure, j'avais là. Sur la peau. Comme un poil coincé sous la peau qui me s'enfonce dans ma peau. Bref. Ensuite, dans le non frais chez Lidl. Je vais ranger ma bichette, on a pris des chips nature. Tiens. Tu peux enlever la gamelle à la petite bouche? Ah non, 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 c'est pas des croquettes à toi, ça. Toi, t'aimes bien les croquettes pourries et t'aimes pas les bonnes croquettes. J'ai pris de la lessive Skip 3 en 1. Je crois que j'ai jamais testé celle-là. Ensuite, bon, j'ai pris 2 dizaines de bio pour le matin. J'ai pris des pommes parce que bah, on avait besoin de fruits. J'ai pris aussi plein de bananes. Bah, on n'avait plus de fruits, donc comme ça au moins. Par contre, il n'y avait plus grand chose dans les rayons. C'était pas ouf. Hein. On a repris. Alors, pour ceux qui ne trouvent pas chez Action les tuiles de chocolat au lait avec des éclats de caramel et une pointe de sel, les jaunes, il y en a chez Lidl. Et franchement, limite, je trouve meilleur les Lidl parce qu'elles sont plus épaisses, plus craquantes. Que les Action sont plus molles. Et franchement, elles sont hyper bonnes. Testées et envoyez-moi un message privé sur Instagram. Franchement, elles sont pépites. Ouais, parce que Isalie, c'est un compte Instagram. Je vous mettrai son compte là. Et faudrait peut-être que tu publies un jour.
moi aussi sur Instagram. Comment tu prends mon chat, toi? Mais il fait ses griffes sur mes chaises. J'estime que ça me donne le droit de le porter comme je veux. Ensuite, Isalis a pris ça parce qu'elle prend des cacahuètes pour manger à l'école. Tout est normal. Des pommes de terre. Voilà. Et du sucre perlé pour faire des chouquettes. Hop, et on a pris aussi, c'est Isalis qui a pris, des chocolats. Oui. Ah, attends. Vous voulez goûter la différence entre les deux? Oui. On a pris ça chez Lidl et ça chez Action. Donc Isalis voulait goûter les deux pour voir lequel était les meilleurs. Et chez Action, bougez pas, c'est un peu le bazar, mais tout va bien. J'ai trouvé la fameuse palette dont tout le monde parle sur TikTok. Donc je l'ai trouvée, je vais la tester. Ensuite, j'ai pris ça, ça aussi. Ils en parlaient sur TikTok apparemment. Ça fait sentir hyper bon le linge. Je testerai aussi. Un pain. Et on a pris une boîte de chewing-gum. Voilà. Je sens que ça va être la distribution au lycée. Et ça. Alors ça, on va en parler. Parce que sur TikTok, c'était noté. C'est un dupe de Alien de Thierry Mugler. Isalis porte Alien de Thierry Mugler. Dans la version Nox, parce que ben, vous savez que moi j'adore les parfums Nox, ça tient très très bien, c'est très fidèle. Mais alors ça, non, non, ça sent, mais ça sent Alien de dos de loin dans le noir, quoi. Et ça tient que dalle, c'est-à-dire que Isalis a pchité sur ma doudoune dans la voiture, un quart d'heure après, ça ne sentait plus rien. Donc bon, voilà, pas convaincue, absolument pas convaincue, voilà. Donc non, ne gaspillez pas votre argent. Je sais même plus combien on l'a payé, j'ai même pas demandé le ticket de caisse. Mais non, c'est pas ouf, hein. Hein, est-ce que tu veux goûter les chocolats, biche? Ouais. Ou t'as plus faim, là, ça y est. T'as passé ta crise de chocolat. Attention. Je vais me baisser un peu parce que t'es un peu petite, quoi. Au minimum, on met. Ça te va? C'est encore trop petit. Allez. Alors, tu veux goûter lesquels? Donc ceux-là, c'est les Actions, et ceux-là, c'est les... C'est trouvé chez Lidl, mais c'est des Révillons. Révillons. Ça ressemble au packaging des Lindt. C'est pas vrai, ouais. Tu veux prendre la moitié? Non. Enfin, mais c'est... Ah ouais. Caramel et hazelnut. Hazelnut, c'est... Je pouvais pas jouer au poker, moi. Pourquoi? Je vais pas mentir. Bah, j'ai vu dans tes yeux que c'était dégueulasse. Tu me connais tellement bien aussi. Ah, mais sérieux, c'est dégueulasse. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai des gouttes de chiottes, ou c'est toi qui as des gouttes de chiottes? C'est dégueulasse. Silencieux. Nul, tu rigoles là-bas. C'est pas bon. Pas bon. Non, c'est pas bon. Ça goûte cassé. Et puis c'est gras. Comment te dire? On dirait qu'il y a... Ça ne mange pas, non. Non, remarque, pour une personne qui mange du saucisson à longueur de journée. Attends, moi, cette fois-ci. Et là, il y a plusieurs goûts, ou pas? Praliné, éclat de noisette caramélisé. Attends. Praliné, éclat de noisette caramélisé. C'est couleur rouge. Rouge. Et c'est là où il y a des trucs à l'intérieur, il y a des mots. Tout s'arrange sous l'influence d'une pensée heureuse et optimiste. À méditer. Super. Comme les trucs sur TikTok. Ah bah oui, hein. C'est bon ça. Et ils sont bons ceux-là. Je t'avais dit. Ouais, ils sont bons. Trop du paquet. Il est défoncé. C'est les Révillons, ils sont très bons. Bon, écoutez, on arrête de faire les andouilles. On dirait qu'on a bu de l'alcool, hein, sans déconner. Hein. Bon, faut que je range les courses. Et puis, par acquis de conscience, j'ai mangé une banane. Ah ben, ceux-là, on vous les conseille pas, en tout cas. Ils sont immondes. Bon, sur ce, ça donne soif quand même. Je vais continuer mon montage, envoyer une commande à Amélie, faire des factures, ça serait bien. Déclarer mon RSI aussi, je suis complètement à la bourre. J'ai l'impression d'être à la bourre pour tout, là. Truc de dingue. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. J'ai l'impression d'être déchaînée aujourd'hui ou d'être très speed en ce moment. Non. T'as pas remarqué? Non. Je t'épuise pas? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je suis morte à peu près. Bon, allez, du coup, sur ce, on vous laisse. On vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je pense, pour vous montrer ce qu'on va manger ce soir, ça sent que je pense que ce sera un truc au poulet, parce qu'en général, c'est ce qu'il y a à faire en premier chez HelloFresh. Et du coup, voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, retour le monde, je suis en pyjama. Voilà. Et Milan n'a pas encore pris sa douche. Il est 19h35. Ce soir, HelloFresh, c'est ça. C'est une soupe. Alors, il y en a une qui va pas être contente du tout parce qu'elle déteste la soupe. C'est Isalis. C'est une soupe orientale au poulet effiloché avec des pois chiches, des épinards et du cumin. Ça sent... Oh, Isalis, elle va avoir trop de seum. Chier.
Donc, pourquoi t'as pas pris une serviette pour les cheveux? T'as oublié? La claque, la grande classe. On dirait, tu sais, les rastas avec leur... quand ils mettent des bonnets sur leur dread. Voilà, donc du coup, une soupe... Ok. Avec des pois chiches et tout. Là, c'est en train de cuire tranquillou. On vous dira si c'était bon. Et je pense qu'après aussi, on... Mila, s'il te plaît. Et je pense qu'après aussi, on ouvrira le calendrier de l'Avent d'Eddie. Parce que hier, enfin ce matin du coup, sous le post du Vlogmas d'hier, il y a une dame qui a dit « Oui, ça sert à rien de faire des Vlogmas ou un truc comme ça si vous ouvrez pas tous les calendriers de l'Avent, parce que c'est quand même le but des Vlogmas. » Non. Je tiens à préciser pour les personnes qui n'auraient pas compris le... En fait, c'est comme un calendrier de l'Avent en vlog, tu vois, en forme de vlog. Parce que c'est tous les jours où on raconte notre journée et tous les jours avant Noël. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pas du tout fait pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, c'est juste une partie de notre journée. Le but du Vlogmas, c'est de vous montrer chaque jour nos journées jusqu'à Noël. Voilà. Et pour les gens qui n'aiment pas, ne regardez pas, c'est pas grave. Je préfère le dire. Voilà, donc je continue à faire HelloFresh. Isalis va mettre le couvert bien évidemment parce que c'est son tour. Et puis voilà. Ah, hein. C'est quoi ça? Du pollo. Ah, c'est pas bon à vivre, non? Ah, on va. Il y a le Chine, tu vois, et il y avait un haut noir avec des boutons. Je vais mettre ce mot-là. Mais je sais pas comment mettre comme bas de pantalon. Et t'as pas un pantalon en cuir ou un truc comme ça? Il arrive après parce que dans la cour, mais... Et le mien te va pas? Il est trop grand. C'est un S. On va regarder. Ok. Bon bah écoutez, du coup, on se retrouve un petit peu plus tard pour l'ouverture du calendrier dédié et vous dire si la recette HelloFresh était bonne. Voilà. À tout à l'heure. Bon, du coup, on a fini de manger. C'était très bon. C'est vrai. C'était vachement bon, franchement. Tout le monde a mangé. Même Isalis, bon, elle a enlevé le jus. Hein. Voilà, mais elle a mangé, donc c'est validé pour nous. Là, Eddie va ouvrir son calendrier de l'Avent. Le calendrier. Ok, il est pas bien. Ouais, super. Qu'est-ce que je ferai sans ce calendrier? T'as vu ça? C'est ta vie maintenant. Comment tu vas faire en janvier après? C'est là. Je suis triste. Ça, c'est pas un tournevis. Vous l'auriez foiré. Oh! Oh! Mon cadeau. En train de défoncer. C'est quoi? Des embouts. Ah cool, c'est pas mal. Bah ouais. Maintenant je cherche le tournevis où on peut mettre les embouts. Il doit y en avoir un. Non, il doit y en avoir un. Vous prenez tous mes desserts, c'est quoi ça? T'as bien choisi en fait. C'est comme Chine, t'as bien choisi. Celui-là il est bien. Ouais. Ouais, c'est pratique. T'as le petit porte-embout avec tous les embouts dessus. Il doit y avoir le tournevis qui doit traîner quelque part. Bah écoute, on verra bien. J'espère sinon dans la mouise. Allez, on va te retrouver ton truc dans ton calendrier. Non, pas encore. En fait, j'ai ouvert une case. Il y avait rien dans la case. Il y a pas de, ouais, il y a pas de. Voilà, c'est ici, mais il a dû glisser au fond. Bref, ouais, c'est possible. Du coup, voilà pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc demain pour un nouveau vlog. On vous fait des bisous. Ciao.